Shalom, c'est ici qu'il y aura cette salle, qu'il aura lieu le rassemblement, le programme de ce soir. Voilà, le programme de ce soir. Tu peux me rappeler l'adresse là? Comment on appelle? Unterweg. Unterweg. Rappelle-moi l'adresse. Oh. Unterweg. Unterweg. Voilà, d'accord. Unterweg. Voilà, rattraper. Nous venons à peine de visiter la salle. Voilà, donc voici les références. Vous pouvez mettre ça sur le GPS déjà. Voici la référence. Voilà, donc c'est ce soir. Ok. Voilà, c'est ce soir. Oui. Super, super coin. Ouais. Tiens. On t'attend 7 minutes. Ouais. Voilà, super, super. Nous sommes là en train de bosser. Comme disait comme ça ce soir, cette nuit, aujourd'hui du vendredi 8 avril. Justement, nous sommes en train d'aider la diaspora. Nous préparons, n'est-ce pas, le retour. Et n'est-ce pas la délivrance de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique est le continent de l'avenir. Je disais toujours, tu peux ne pas aimer crasseux que je suis. Mais quelle est ta solution face à la sorcellerie? Nous avons commencé à réveiller la conscience des Africains, de comprendre que le problème, il est trop spirituel ce qu'ils vivent ici. Il est trop spirituel ce que nous vivons. Les gens pouvaient dire que les Africains sont superstitieux, mais non, n'ignorez pas le monde spirituel et ses réalités. Il y a ce qu'on appelle le discernement, il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable et les œuvres de Dieu. Voilà, donc Dieu n'est pas en même temps la base de notre et en même temps la base de nos malheurs. Notre problème aujourd'hui, c'est l'héritage qu'a laissé nos aïeux, qui est la sorcellerie. Bon, les gens ont peur de venir en Afrique. J'aurais toujours communiqué sur mes enseignements que l'Afrique, vous avez peur de l'Afrique, mais l'Afrique vient vers vous. L'Afrique est constamment ici. Vous avez peur de l'Afrique, mais l'Afrique vient d'Europe. Donc, nous demandons aux gens de venir. Voilà, de venir. Or, il faut venir vers eux, leur donner les enseignements adéquats, leur délivrer pour qu'ils puissent ne plus avoir peur de la sorcellerie. C'est pour cela que je suis vilipendé, c'est pour cela que je suis attaqué. Parce que je combats vos papas Satan. Ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux, ceux qui me disent n'importe quoi. Oui, mais quelle est toi ta solution face à la sorcellerie? Tu peux ne pas aimer, tu peux ne pas aimer ma figure, ma bouche, ma manière de parler. Si tu ne crois pas à la sorcellerie, c'est que tu es Satan. C'est tes grands frères de Satan. Mais si tu crois à la chose, quelle est ta solution? Au lieu de vilipender le prophète crasseux, quelle est votre solution? Nous travaillons. Je suis l'homme de Dieu qui connaît plus de villages en Côte d'Ivoire. Avant d'être en Europe, avant de commencer cette tournée, j'ai visité les villages de la Côte d'Ivoire. J'ai marché des kilomètres et des kilomètres. Aller sensibiliser nos parents villageois de sorciers, les délivrer de la sorcellerie. Je connais beaucoup, la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. J'ai vécu dans les maisons. J'ai été mordu par les guêpes, par les moustiques, terriblement. Des villages où il n'y a pas d'électricité. Avant que je sois ici en pleine tournée, en train de faire une évangélisation, pour sensibiliser nos parents venir. Voilà, je suis là pour que la diaspora bénéficie de l'onction qui est sur ma vie. Parce qu'à chaque homme, Dieu, à chaque ministère, à chaque homme de Dieu, il a une onction particulière. Mon ministère, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Voilà, donc ne manquez pas. Nous allons parler avec vous et nous allons vous délivrer. Tu as une situation, tu es dans la sorcellerie, rien ne marche. Tout est bloqué. Problème de stérilité, problème de papier. Tu es là où on doit réussir et c'est toi qui échoues. Comment tu comprends ça? Ne manque pas cette rencontre. Pendant toute chose, il y a une spécialisation. On dit le spécialiste. Nos spécialités, c'est la destruction des eaux de la société. Je suis convaincu que tu suis. Viens ce soir, tu viens dans cette rencontre. J'appelle aux gens d'Italie parce que c'est pas loin d'Italie. C'est pas loin aussi de l'Allemagne, c'est pas aussi loin de la France. Ceux qui sont à la frontière de la Suisse, rentrez. Je demande à tous mes enfants spirituels de venir et pour que Dieu puisse agir. Parce que nous aurons des enseignements de pointe à vous donner pour qu'ils puissent entrer dans votre destinée. Voilà, donc nous sommes là en train de faire un grand travail. Voici la tournée, venez investir en Afrique. Tu peux ne pas aimer Crasso, mais la sorcellerie existe. Et nous combattons la sorcellerie. Continuez de nous combattre. Mais nous sommes fiers, contents de délivrer les gens pour que les gens soient délivrés de cette prison de la sorcellerie. Shalom et à très bientôt.